aujourd'hui débat entre les deux finalistes de ces élections législatives sur notre circonscription de Moulins, que Sébastien va vous présenter dans quelques instants, un débat qui permettra de vous éclairer, de vous réconforter ou de faire changer votre choix dans l'isoloir dimanche prochain. Oui, deux finalistes pour ce second tour, Yannick Monet, qui se trouve donc ici sur ce plateau, qui a remporté 30,57% des suffrages au premier tour, et Michel Barbarin, qui a récolté 19,44% des voix. Alors Yannick Monet représente la Nouvelle Union Populaire et Écologique et Sociale, la fameuse NUP, présente donc sur plusieurs circonscriptions à travers la France entière, et Michel Barbarin, lui, représente Ensemble, c'est la majorité prévisible. Présidentielle, donc derrière Emmanuel Macron. Vous avez donc été qualifié pour le second tour. L'un de vous deux siégera à l'Assemblée nationale dimanche prochain, l'un des deux seulement. Nous allons donc vous recevoir aujourd'hui pour évoquer votre programme, vos différences bien sûr, pour gouverner la France pour les 5 prochaines années. Alors tout d'abord, on va dire déjà bonjour. Bonjour Yannick. Bonjour. Menet. Bonjour Michel Barbarin. Bonjour. Alors, on va commencer par différents thèmes, Sébastien. On va commencer par le pouvoir d'achat, l'emploi et les retraites. Un sujet qui touche beaucoup les Français, et en particulier les Bourbonnais. En ce moment, les gens galèrent, on le sent, sur plein de produits d'achat, de produits d'essence, sur tout est en augmentation. Alors, on va commencer par Yannick Monet. En tant que député, quel sera votre programme pour essayer d'aider les gens à s'en sortir en ce moment, qui peinent à vivre au quotidien? Écoutez, il y a plusieurs mesures. Vous en avez cité plusieurs thématiques sur la question du pouvoir d'achat. Il y a tout d'abord la question des salaires. Et nous, ce que l'on porte, c'est une augmentation des salaires, notamment du salaire minimum, 1500 euros net, 1923 euros brut, avec le principe qui est simple, c'est de dire, pour que les gens consomment, il faut qu'ils aient des moyens de consommer, et puis c'est aussi une priorité dans notre société que de pouvoir vivre dignement de son travail. Et donc cette question des salaires, pour nous, elle est fondamentale. Je parle des salaires, mais je parle aussi des pensions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui a travaillé toute sa vie, on reparlera peut-être des retraites, mais pour nous, c'est 40 ans et à 60 ans, une retraite méritée. Aucune retraite ne devrait être en dessous du salaire minimum. Pour nous, c'est une question d'efficacité économique. On ne relance pas une économie en appauvrissant les gens et on ne fait pas tourner une machine économique si les gens n'ont pas les moyens de consommer. Donc pour nous, cette question des salaires, elle est centrale. La deuxième chose, c'est la question des prix. Si vous agissez que sur les salaires et que les prix continuent d'augmenter, à la fin du mois, il ne reste pas grand-chose. Alors vous êtes pour les bloquer, ces prix, hein, tout simplement. On arrête, quel est le barème, en fait? Le barème, ça dépend des prix. On voit bien que, par exemple, pour l'essence, avant de bloquer le prix de l'essence, il faudrait baisser le prix de l'essence. C'est tout à fait possible avec la taxe flottante. Il faut savoir que la question du blocage des prix, c'est quelque chose qui est permis par le Code du commerce. C'est quelque chose qui a déjà été utilisé dans notre histoire. Donc c'est quelque chose d'indispensable. Mais le blocage des prix, il faut que ça s'accompagne d'un principe très simple et très clair. Il faut des prix rémunérateurs pour ceux qui produisent, parce que si demain, le journal que vous achetez ne vaut plus rien, comment on fait pour payer les journalistes? Donc il faut des prix à la fois rémunérateurs pour ceux qui produisent et des prix accessibles à ceux qui consomment. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur la question des prix? C'est que c'est l'inflation qui fait augmenter les prix. Je prends l'exemple. En début d'année, la tonne de blé coûtait 220 euros. Aujourd'hui, elle se vend 450 euros. Et peut-être que ça a déjà augmenté depuis que j'ai regardé les chiffres. Donc ça veut dire que entre ces 220 euros et ces 450 euros, on a plus de 200 euros qui sont liés à la spéculation, puisqu'on achète, on vend, on achète, on vend, c'est ça la spéculation. Et on essaye de faire du profit sur les rachats. Donc il est impératif d'avoir une économie beaucoup plus vertueuse qui permettrait aux gens d'accéder à la consommation de façon indispensable. On prenait l'exemple de l'essence. Vous m'arrêtez, hein, parce que je peux tenir longtemps comme ça. Prenez l'exemple de l'essence, par exemple, aujourd'hui, c'est totalement injuste. Aujourd'hui, sur notre circonscription, les deux tiers de la population active de notre circonscription travaillent à l'extérieur de son lieu d'habitation, dans un autre village ou dans un autre département. Donc il est contraint de prendre sa voiture. Quand le prix de l'essence augmente à Paris, le ticket de métro, ceux qui prennent le métro, ils ne le sentent pas passer. Ceux qui prennent leur voiture, ils le sentent passer. Donc la question des prix, c'est une question fondamentale. Et très sincèrement, l'exemple de l'essence est flagrant. Je sais qu'il y a eu la question des gilets jaunes il y a quelques années, mais le sentiment de relégation, voire même le sentiment de mépris qui nous était exprimé par les gens que nous avons rencontrés tout au long de cette campagne, est très lié à ces phénomènes-là. On voit bien que le gouvernement n'a pas réagi, ou en tout cas pas à la mesure de ce qu'il aurait dû réagir, vu l'ampleur de l'inflation de ces prix.
Michel Barbarin, vous-même, donc vous représentez le président de la République dans cette action. Plusieurs mesures donc, ont été avancées pour aider les Français au quotidien. On voit effectivement le prix des carburants qui flambe, désormais le prix aussi des produits alimentaires, hein, le symbole de l'huile, notamment l'huile de tournesol qui devient véritablement un produit de luxe presque. Et puis la moutarde, bien sûr, aussi, la moutarde de Charvoux dans l'Allier aussi, hein, je ne sais pas où ils en sont dans les stocks. Voilà. Quelles sont véritablement les mesures que vous souhaitez défendre si vous êtes élu dimanche soir à l'Assemblée nationale pour aider les Français au quotidien face à cette inflation qui grimpe en permanence? Alors, donc, je vais déjà commencer par répondre à M. Monnet. Donc sur ce qu'il vient de dire, et puis après bien sûr je reviendrai rapidement sur vos questions plus précises. En fait, je crois qu'il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver quand on dit qu'on va imposer. Vous savez, style à la Mélenchon, quoi. Je tape sur la table et je dis les entreprises, vous versez 1900 euros pour les salaires et soit vous les versez, soit vous mourrez, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que soit elles peuvent le faire, elles le font. Si elles ne peuvent pas le faire, eh ben elles meurent. Donc ça crée automatiquement du chômage. Donc déjà, ça c'est une mesure qui est tout à fait généreuse et que je peux la comprendre, mais en fait c'est quelque chose qui doit se discuter, j'allais dire, entreprise par entreprise, et c'est dans lequel on doit impérativement impliquer les employeurs. Ce n'est pas une décision unilatérale, on va augmenter les salaires du jour au lendemain comme ça, sans prendre en compte les conditions exactes des entreprises. Moi, un exemple facile. Moi, je suis maire de Souvigny, hein, comme vous savez, donc je suis en contact avec les entreprises, avec les entreprises agricoles, aussi bien que les petits artisans. Un petit artisan qui a un salarié, aujourd'hui, déjà même pour lui, il a du mal à se sortir un salaire. Alors si en plus, vous lui imposez de verser 1900 euros, donc 1500 net, à son employé, ça va quand même être un petit peu dur. Le deuxième point, c'est que si vous bloquez les prix, donc en fait, vous augmentez les charges des entreprises et vous bloquez les prix des produits à la sortie. Donc ça, vous emmenez automatiquement les entreprises à la faillite. Parce que n'oublions pas une chose, et je voudrais revenir là-dessus, c'est qu'il y a un certain nombre de prix au départ, de coûts qui rentrent dans les prix, sur lesquels nous ne les maîtrisons pas. En fait, en France, on n'a pas de pétrole. En France, on n'a pas de gaz. En France, on n'a pas d'huile, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, en fait, on est obligé d'acheter à l'étranger. Et qui font les prix? Ce sont bien ce sont les vendeurs qui font les prix. Donc, c'est le même problème du blé. Je vais y venir. C'est le même problème que le blé aujourd'hui. Il y a un vrai problème. Bon, on sait très bien pourquoi. Donc, avec l'histoire de l'Ukraine, qui est envahi par l'URSS, et pour lequel d'ailleurs M. Mélenchon a voté contre la fourniture d'armes. Moi, je suis quand même un petit peu scandalisé face à ça. Mais bon, donc revenons-en donc à ça. En fait, le blé, je suis désolé, mais s'il n'y en a pas, il est automatiquement cher. Et ce n'est pas un problème franco-français, c'est un problème mondial. Alors, pour en venir c'est la réalité. Enfin, je crois ce que les auditeurs aimeraient savoir, c'est qu'est-ce que vous avez à dire. Attendez, je vais venir, mais en fait, je crois qu'il faut aussi informer les auditeurs de la réalité des choses. Il faut arrêter de rêver. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, quand on est aux affaires, et moi je l'ai été pendant 45 ans dans l'industrie, et je le suis comme maire de Souvigny, et je pense que le gouvernement actuel ou précédent, le précédent mandat, ils étaient aux affaires, et donc il faut faire face à la réalité, il faut arrêter de rêver. C'est surtout ça que je voudrais dire. Alors, en ce qui concerne les mesures, en fait, il y a plusieurs mesures qui peuvent être prises, donc moi, et je pense que c'est des mesures qui doivent être ciblées et ponctuelles en fonction de la situation, et en fonction aussi de ce que nous ferons par la suite pour justement augmenter la capacité de la France à produire. Donc le premier point, c'est, on parlait de l'essence. Mm-hmm. En effet, moi je pense qu'il y a des cas particuliers, et M. Monnet l'a évoqué à juste titre, mm-hmm. le problème de la ruralité, où les gens qui habitent... quelqu'un qui habite à Souvigny, ou Besson, ou autre, qui doit travailler à Moulin. La plupart d'ailleurs des gens de Souvigny ou de Besson vont travailler à Moulin. Donc en fait, ils ont bien besoin de leur voiture et tout ça, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement. Donc, aujourd'hui, ces gens-là, incontestablement, il faut les aider. D'où l'idée de leur apporter un chèque essence ponctuel qui les aide. Mais ce n'est pas global pour tout le monde. Parce que si vous bloquez le prix de l'essence pour tout le monde, c'est vrai aussi pour les gens aisés, ainsi de suite, et qui, de fois, ils n'utilisent leur voiture que pour aller en vacances. Donc, en fait, il faut cibler ceux qui vont au travail, qui en ont réellement besoin, et qui en ont besoin parce que ça permet d'améliorer leur quotidien. Voilà. Merci.
Alors, donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi pour le problème de la nourriture. Je pense qu'en fait, là aussi, il faut aussi cibler les gens qui en ont réellement besoin. Et là aussi, il faut leur apporter, j'allais dire, une aide ponctuelle et régulière jusqu'à ce qu'on ait régularisé le problème des prix. Parce qu'en fait, on va y revenir au prix. Moi, je pense que la stabilisation des prix, ça reviendra. J'en suis totalement convaincu. Enfin, l'économiste que je suis, moi, vous le dit. Alors les mesures finalement que vous mettez en avant, c'est des mesures ponctuelles à travers des chèques pour stabiliser, on va dire, les budgets des ménages. En même temps, vous attaquez donc Yannick Monet sur un point en disant augmenter les salaires à 1400-1500 euros par mois, c'est pas faisable. Bloquer les prix aussi. D'une façon autoritaire, c'est ça que tu dis. Il y a des entreprises qui peuvent le faire, parce que ça risque de coûter trop cher. On n'a pas les moyens en France de le faire. Hein. Yannick Monet. Oui, j'ai répondu. Monsieur Barbarin, une petite remarque. Oui. C'est pas un rêve. Les gens que nous avons rencontrés sur la circonscription ne vivent pas un rêve aujourd'hui. C'est même plutôt le contraire. Sur la question d'augmentation des salaires, on va aller un peu plus en avant dans la mesure et dans la technique de la mesure. D'abord, c'est des situations qui sont déjà opérées au cours de l'histoire et ça n'a jamais mis en faillite le pays. L'augmentation des salaires. L'État a la main sur le salaire minimum. Ensuite, il y a deux types d'activités. Il y a les grandes entreprises. Aujourd'hui, le gouvernement de M. Macron verse 60 milliards aux grands groupes sans aucune contrepartie. Donc, ça veut dire quoi, ça ? Eh bien, ça veut dire qu'il le verse 60 milliards, notamment 21 milliards de CICE, sans demander de contrepartie, c'est-à-dire sans dire créer de l'emploi, sans dire augmenter les salaires. Non, c'est sans contrepartie. Donc déjà, on peut exiger un certain nombre de choses de la part des grands groupes avec ces 60 milliards. La deuxième chose... C'est bien évidemment qu'il faut aider les petites et moyennes entreprises. Et il faut les accompagner. Et plutôt que de verser 60 milliards aux grands groupes, accompagnons les petites entreprises qui, je le rappelle, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas toutes opposées à l'augmentation des salaires. Quand on discute avec les petits artisans qui peinent à recruter de la main-d'œuvre, par exemple, ils sont prêts à payer les gens un peu plus. Parce que ce qui coûte cher dans une entreprise, ce n'est pas les salaires. Les salaires, c'est la rémunération liée à la production de richesses. Mais les charges fixes, la question des banques, ça coûte très cher dans une entreprise. La question des assurances, ça coûte très cher dans une entreprise. Si on ne bloque pas les prix, la question des matières premières, ça coûte très cher dans une entreprise. Donc, certes, moi je l'aborde de cette façon un peu de slogan. Il faut rentrer dans le détail. Donc c'est un système global que l'on pense. C'est un système global. Mais aujourd'hui, si vous n'augmentez pas les salaires, si les gens ne peuvent pas vivre dignement de leur travail, on ne réglera pas la question du pouvoir d'achat. C'est simple. Mais... juste une remarque, de l'huile, on en a, je pense, l'huile de colza grillée, de la palisse, notamment. Mais sur les matières premières, on pourrait parler de l'agriculture. Justement, aujourd'hui... Justement, on allait arriver à ce niveau-là, donc c'est une belle transition. C'est une belle transition, mais on a besoin que nos agriculteurs nous nourrissent et les aider à nous nourrir, plutôt que d'être dans des logiques d'exportation et d'importation sur les questions agricoles. Mais on va y revenir sur l'agriculture. Sébastien, grand spécialiste de l'agriculture. Oui, mais avant tout, je voudrais évoquer quand même les retraites, puisqu'en fait, on n'a pas parlé de retraites. Voilà, effectivement. Donc, les retraites, énormément là, vous n'êtes pas du tout d'accord en opposition complète concernant ces retraites. Je vais donner la parole à Michel Barbarin tout de suite, parce que Emmanuel Macron, lui, est pour augmenter l'âge de la retraite, en disant, bon, on vit plus vieux, on travaille plus vieux, on peut donc désormais travailler plus longtemps pour faire face donc à ce financement des retraites. C'est ce que vous défendez, c'est pour vous la solution. Oui, en fait, le vrai problème, il faut commencer par prendre le problème à la base. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On vit de plus en plus vieux, vous l'avez dit, grâce à la médecine, grâce à la bonne nourriture, ainsi de suite. Et en fait, il y a de plus en plus de gens, parce qu'on vit plus vieux, et tant mieux, qui sont sur la charge de ceux qui travaillent. Parce que comment sont financées les retraites aujourd'hui? C'est ça qu'il faut regarder. C'est un équilibre entre ceux qui produisent et qui travaillent et qui payent la retraite de ceux qui sont en retraite. Et ceux qui vont partir en retraite par la suite, ben ce sera les plus jeunes qui paieront leur retraite, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle la répartition. Il y a des critères de pénibilité que je défends. Aussi peut-être de prix. Il y a des critères de pénibilité aussi peut-être. Oui, de... oui, mais on peut partir en même temps que ce secrétaire. Oui, mais je ne vais pas être trop précis. Et je pense qu'il faut expliquer un petit peu à nos... Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les grands débats, les grandes idées, c'est pas ça qu'attendent nos électeurs et les Bourbonnais. C'est aussi une compréhension de ce qui se passe. En fait, donc, j'en reviens là-dessus, il faut bien comprendre que c'est une charge qui est prise sur ceux qui travaillent et ceux qui produisent pour pouvoir payer les retraites. Et la retraite, c'est pas seulement la retraite, hein, c'est aussi l'accompagnement jusqu'à la fin de vie. C'est un tout, en fait. Il ne faut pas voir la retraite comme simplement versement temporaire. Non, ça va, c'est un accompagnement, y compris les aides familiales, ainsi de suite. Tout ça, c'est ça qui est pris dans la retraite, globalement, qui pèse sur les travailleurs.
Donc, il n'y a pas 36 solutions. Soit on reste dans la situation où on est aujourd'hui, et à ce moment-là, on est en faillite. Ça, on le sait. C'est rédhibitoire. Soit, donc, on décide de trouver une solution qui serait, en effet, de dire, puisqu'on vit plus longtemps et plus vieux et en meilleure santé, c'est de prolonger graduellement, jusqu'à ce que l'on obtienne l'équilibre sur le long terme, parce qu'il ne suffit pas de mettre un emplâtre sur une jambe de bois, hein. Il faut garantir que cet équilibre se fera sur le long terme. Donc en fait, ça veut dire que graduellement, année par année, c'est d'augmenter tout doucement et légèrement, de quelques mois seulement, je dirais 3 ou 4 mois maximum par an, jusqu'à ce que l'on retrouve un équilibre complet du système. Donc ça veut dire à plus de gens au travail, et on en a besoin. Et je reviendrai là-dessus. Regardez, on est pratiquement au plein emploi aujourd'hui. Grâce aux actions du président de la République, on est au plein emploi. Donc, en fait, ce qui est assez facile, puisque moi, je suis économiste, et je sais que le plein emploi, c'est 5%. On est à 7%. Donc, vous voyez, de chômage. Donc, ça veut dire que, en fait, aujourd'hui... excusez-moi, Sébastien. Juste, ça veut dire qu'en fait, il faut augmenter progressivement. Sans doute, si vu d'aujourd'hui, il faudrait aller jusqu'en 2030. Donc ça voudrait dire que les générations aux alentours de 1968, 69, 70 pourraient partir plus tard, mais ça, à mon avis, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Mais en fait, si l'économie repart vraiment bien, je pense qu'on ne sera pas obligé d'aller jusqu'en 2030. Hein. Donc à voir, mais voilà l'idée, voilà la méthode. Une méthode complètement opposée à celle défendue par la NUP, hein, c'est-à-dire que vous, la retraite, elle est possible pour 60 ans après 40 ans de cotisation. Ça, c'est ce que vous envisagez, c'est parfaitement possible, et là, on ne va pas vers la faillite du pays, selon vous. Mais non, mais attendez, il faut dire la vérité aux gens. Aujourd'hui, le président de la République engage une réforme des retraites, non pas pour rééquilibrer le système des retraites, il l'a même d'ailleurs dit, c'est pour économiser 10 milliards. Mais pour financer. Bah écoutez, vous êtes peut-être pas, je peux pas vous laisser dire. Mais sûr, vous pouvez pas me laisser dire ça. Reprenez les déclarations de M. Macron, c'est absolument pas pour rééquilibrer le financement des retraites. C'est pour faire 10 milliards d'euros d'économie, comme il a prévu sur son plan à 50 milliards. Monsieur Monnet, donc je suis désolé, vous êtes un peu désolé. Alors ça, Yannick Monnet va expliquer véritablement son projet de société. Je ne rentrerai pas dans toute tentative d'abaissement du niveau de débat politique, parce que je pense que ça n'est pas... C'est une vérité, donc, monsieur Monnet. Il faut en parler. Bien sûr. Vous soutenez des positions insoutenables. Donc, bien sûr. Désolé. 60 ans, 40 ans de cotisation, c'est faisable. Je redis que monsieur Macron, aujourd'hui, fait une réforme pour économiser 10 milliards, comme il a prévu une réforme pour économiser 10 milliards sur les collectivités territoriales. C'est lui qui l'a annoncé dans son plan de 50 milliards. C'est une proposition phare de la présidentielle. Donc on n'invente pas. Aujourd'hui, on a un système par répartition. Le principe du système par répartition, vous l'avez expliqué, ce sont les actifs qui payent pour les passifs. Ça veut dire que c'est un système qui ne peut pas tomber en faillite. Il peut être déséquilibré, effectivement, il peut parfois y avoir plus de passifs que d'actifs, mais il ne peut pas être en faillite, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui vient alimenter la caisse de retraite, contrairement à la retraite par capitalisation, qui vient alimenter les actifs. Mais je viens de le dire, monsieur Barbarin. Écoutez-moi, monsieur Barbarin, parce que si vous ne m'inquiétez pas, ça va être compliqué. Mais je ne vous interromps pas. Monsieur Barbarin, il faut juste un petit peu de dignité dans le débat politique. Je vais vous laisser parler, monsieur, mais expliquez plus clairement d'où vient cet argent. Il y a des gens. Dites-moi. Je viens de vous le dire. Non, vous ne m'avez pas dit. Quand je vous dis, c'est que vous ne m'écoutez pas. Quand je vous dis. Si vous voulez que je vous le dise, soit mes épargnes. Vous êtes en train de me dire qu'il y a moins d'actifs que de passifs, donc ça veut bien dire qu'il y a un problème. Non, mais vous ne m'écoutez pas. Allez-y. Vous ne m'écoutez pas. Donc ce sont les actifs qui financent les passifs. Mm-hmm. Les actifs, donc ceux qui travaillent, qui financent ceux qui ne travaillent plus, qui sont en retraite. J'ai dit que ce système ne peut pas être en faillite, puisque tout le monde, il y a toujours quelqu'un qui alimente, puis il y a toujours des gens qui travaillent, qui alimentent la caisse. Et parfois, ce système, éventuellement, je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais peut être déséquilibré s'il y a moins d'actifs que de passifs. Mais donc c'est un système fiable, malgré tout. C'est un système fiable. Donc déjà, ce n'est pas pour ce système. Après, les retraites, c'est un choix de société. Au même titre qu'on a fait la sécurité sociale comme un choix de société. Nous, on dit quoi ? Aujourd'hui, il y a une limite, c'est 60 ans. Mais nous, on dit, quand on a cotisé 40 ans, intégrant les années d'études supérieures, puisque la production intellectuelle, c'est une production de richesse aussi, à 60 ans, on a le droit de partir en retraite. Parce que M. Barbarin ne sait pas une chose, mais ce n'est pas grave,
C'est que non, on dit quand on dit qu'on vit plus vieux, ça dépend des catégories sociales. Et aujourd'hui, il y a des catégories sociales qui stagnent dans le taux de mortalité. Et je peux vous dire qu'un ouvrier, il n'a pas tout à fait la même espérance de vie qu'un cadre supérieur. C'est comme ça, ce sont les chiffres de l'INSEE. Donc nous, ce qu'on dit aujourd'hui, à 60 ans, on a le droit de partir en retraite à taux plein avec une bonne retraite. Et en plus, c'est efficace économiquement, puisqu'on alimente la machine économique. Les gens qui sont en retraite, qu'est-ce qu'ils font? Ils consomment. Et ils ont bien mérité leur retraite. Voilà, donc pour nous, c'est une question de justice sociale, mais c'est vraiment un choix de société, là. Voilà, donc il y a plusieurs catégories possibles. Michel Barbarin, permettez juste un petit point. En fait, quand on dit que y a un problème de pénibilité, et j'en suis bien d'accord, je tiens à le dire, vous aviez commencé à le préciser, Sébastien. En fait, il est incontestable que dans la réforme de la retraite, il faut aussi prendre en compte ce problème de la pénibilité. Il a déjà, et il faut aussi prendre en compte. Donc en fait, c'est pas le même travail. Absolument. Et donc, mais je ne sais pas si c'est 55 ans, mais en tout cas, cette pénibilité, elle doit être prise en compte. Et ça, c'est vraiment un travail qui se mène avec les organisations syndicales, et c'est quelque chose qui se mène avec les entreprises. Je l'ai fait dans l'entreprise où j'étais, de mesurer la pénibilité, et nous l'appliquons. Donc ça, c'est fondamental. Ça veut dire qu'un certain nombre de gens gagnent plus facilement des trimestres que d'autres. C'est aussi le problème avec les femmes, les mères célibataires, ainsi de suite. C'est le même problème qu'il va falloir prendre en compte. Donc je ne dis pas que c'est quelque chose d'une mesure unilatérale qui va s'appliquer pour tout le monde. Non, c'est une mesure générale, telle que je l'ai décrite, et qui s'appliquera aussi avec la notion de pénibilité ou de conditions sociales dans lesquelles on peut vivre. Je pense en particulier aux mères avec monoparentales, par exemple, qui auront certainement, il faudra sans doute reprendre un petit peu un certain nombre d'éléments pour elles. Bon, on a bien compris, deux visions de société totalement différentes. On va passer du coup du côté de l'agriculture, parce qu'on va enchaîner les thèmes, sinon on va rester sur la retraite, on peut en parler pendant des heures. On ne vous mettra pas d'accord, bien sûr. Mais justement, il faut convaincre les auditeurs, chacun par rapport à ces thèmes. Donc du coup, l'agriculture, Sébastien, un grand spécialiste de l'agriculture. L'agriculture, une des premières économies, la première économie du département au niveau agroalimentaire, dans un département comme l'Allier, environ 4000 exploitations sur notre département. Malheureusement, elles sont en baisse, ces exploitations. Elles sont en difficulté financière, on le voit aussi, les crises s'accumulent, hein, que ce soit donc au niveau des sécheresses à répétition, dues au réchauffement climatique, également, donc là on voit dernièrement les aléas climatiques avec la grêle qui s'est abattue dans l'agglomération vichysoise, surtout qui a peu touché l'agglomération moulinoise, mais tout de même des difficultés de trésorerie. Est-ce que le modèle tel qu'il est actuellement mis en place pour l'agriculture française peut-il continuer, poursuivre dans cette direction, sachant que le nombre d'agriculteurs va être divisé par deux d'ici probablement 5 ans. Yannick Monet, le projet de votre camp concernant l'agriculture aujourd'hui, et en particulier dans notre département, comment voyez-vous les choses? D'abord, je pense qu'il est important de rappeler que les agriculteurs sont les premiers aménageurs de notre territoire. Et je pense qu'il faut les soutenir. Vous savez, dans cette campagne, quand on a fait le tour des 126 communes avec Jean-Paul Dufreuil, on a rencontré des agriculteurs, on est allé visiter des exploitations agricoles. Et il y a une chose qui a été assez marquante, c'est ce sentiment qu'ont un certain nombre d'agriculteurs de ne pas être connus. D'être même... Un sentiment d'abandon peut-être. Un sentiment d'abandon, mais aussi un sentiment de ne pas être connu à leur juste place, en tant que justement acteur indispensable dans l'aménagement du territoire. Voire même le sentiment d'être montré du doigt sur un certain nombre de questions environnementales, on y reviendra. Et ce sentiment-là, il est revenu, et je trouve qu'il est assez marquant, puisque on sent bien que l'agriculture cherche à évoluer dans ces modes de production. Sur le département de l'Allier, le constat est assez difficile. Aujourd'hui, on perd, depuis 10 ans, on perd plus d'une centaine d'exploitations agricoles par an. En 10 ans, ce sont 1100 exploitations qui ont disparu en élevage bovin, puisqu'il y a un certain nombre d'exploitations qui commencent à se développer timidement. Donc ça, c'est un premier constat qui est inquiétant, parce que demain, si on n'a plus d'agriculteurs dans nos campagnes, vous imaginez la situation de notre territoire. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin d'une grande réforme de la PAC. On le porte, mais ça ne se fait pas. Aujourd'hui, la PAC, c'est 70 milliards sur le territoire national. 70% des financements de la PAC vont à 30% des agriculteurs, et pas les plus petits. Vous avez bien compris. Donc si on n'a pas une grande réforme de la PAC qui permet aux petites exploitations, ce qu'on dit communément les exploitations à taille humaine, ça ne fonctionnera pas. La troisième chose, c'est le modèle économique agricole.
Aujourd'hui, dans une exploitation, on fait du bovin, on calcule entre 3500 et 4000 euros l'hectare pour s'installer hors foncier. Ça veut dire hors terre. Donc quand je dis 3500 à 4000 euros l'hectare, c'est le matériel et le cheptel qui souvent coûte le plus cher. Donc une exploitation, quelqu'un qui veut s'installer avec 100 hectares, ce qui n'est pas une grosse exploitation, 100 hectares, hein, parce que je crois que la moyenne est à 111, et encore cette moyenne, elle tient compte, surtout dans le département de la Lune, sur des structures importantes. Tout à fait. 100 hectares, il faut déjà mettre sur la table 400 000 euros en matériel et en cheptel pour pouvoir espérer travailler sans avoir acheté le foncier. Vous imaginez? Comment peut-on imaginer installer des jeunes agriculteurs dans ces conditions? Et même ceux qui veulent reprendre l'exploitation de leurs parents sont forcément en grande difficulté parce que le matériel évolue, parce que les bêtes aussi... Il y a d'autres modes de production qui existent. Et dernière chose, ce qu'il faut aux agriculteurs, et je m'arrête après, mais ça c'est encore plus vrai dans l'agriculture, il faut des prix rémunérateurs. Aujourd'hui, certains nous disent... Je ne dis pas que c'est vous, je préfère préciser. Mais certains nous disent, avec le prix des matières, avec le prix du blé, avec le prix de la viande, ils doivent bien s'en sortir. Mais que nenni. Parce que même si une augmentation du prix des matières premières, l'augmentation des coûts de production est la même. Donc les agriculteurs se retrouvent dans une situation où ils ne bénéficient pas. Donc on pourrait y revenir après, il y a des modalités qui existent pour essayer de garantir. Mais il faut impérativement que les agriculteurs aient des prix rémunérateurs. Parce que c'est eux qui nous nourrissent. Michel Barbarin, vous êtes dans une commune où l'espace rural tient sa place, véritablement une place importante, beaucoup d'agriculteurs à proximité de votre commune. Le gouvernement donc a mis en place différentes mesures en faveur de l'agriculture. Il y avait la contractualisation, on parlait des prix rémunérateurs, un accord en gros entre via la loi Egalim, bien entendu. Julien de Normandie s'est déplacé plusieurs fois dans le département d'ailleurs pour soutenir cette agriculture et venir donc à leur rencontre. Désormais, le modèle peut-il encore tenir longtemps? Est-ce que simplement ces mesures-là puissent porter une agriculture encore pour de nombreuses années ici dans un département comme le nôtre, faire un avenir prometteur? Et surtout, qu'est-ce que les agriculteurs vous disent là sur le terrain? Est-ce que ça suffisait, ce que le président faisait ou pas? Alors moi, je vais vous en parler parce que je suis allé à une réunion récente de la FNSEA où il y avait énormément d'agriculteurs qui étaient là, présents, et j'ai entendu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En particulier, leur grande satisfaction sur les lois Egalim 1 et 2. Donc le président de la FNSEA a été très clair là-dessus. La loi Egalim 1 et 2, et il en a remercié le président de la République, et il a dit « c'est grâce à cette loi que nous avons retrouvé un équilibre dans nos exploitations agricoles ». Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la FNSEA. Donc, et d'ailleurs, je pense que le collègue de M. Monnet était présent ce jour-là. Était présent, donc il l'a entendu comme moi. Donc le deuxième point, parce que je vais parlons des agriculteurs que je connais, moi, les gens qui sont même à mon conseil municipal. Le problème pour eux, c'est un de faire face aux changements de technologie qui vont être obligatoires dans l'avenir à cause du réchauffement climatique. C'est évident que l'agriculture sera la première impactée dans les 10 années à venir. Et que la façon dont on travaille un agriculteur aujourd'hui, ça ne sera pas celle qui travaillera dans 10 ans. Et donc, il faudra les accompagner. C'est un petit peu ce que j'ai dit à la FNSEA l'autre jour. Nous aurons besoin de les accompagner dans la reconversion. Ça, c'est un premier point. Donc ça sous-entend qu'il faudra que l'État, la France, les Français, parce que moi, j'aime pas le mot l'État. L'État, ça ne veut rien dire. En fait, c'est une organisation. En fait, c'est les Français qui gagnent de l'argent d'un côté et qui se le redistribuent en fonction des choix de société tels que le présente soit M. Monnet, soit moi-même. Donc en fait, en fonction des efforts que voudront faire les Français pour justement leur agriculture qui est fondamentale. Je reviens aussi sur le problème de l'installation des jeunes. Parce que ça, c'est très important. En fait, aujourd'hui, on a un véritable problème d'installation des jeunes, financière, et M. Monnet en a très bien parlé, et il a raison. Je suis d'accord avec lui, il a raison. Et donc là aussi, il faut aider à l'installation des jeunes. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi leur trouver des terres. C'est ça le problème. Aujourd'hui, et je l'ai bien expliqué à la FNSEA, ça. Je leur ai dit, il n'y a pas de place pour les petits, pour ceux qui arrivent. Il n'y a pas de place. Donc en fait, aujourd'hui, il faudra retrouver des solutions pour permettre aux jeunes agriculteurs de se faire installer. Sachant que, et je crois que M. Monnet l'a dit plus ou moins, et je suis aussi d'accord avec lui, aujourd'hui, 50% des agriculteurs, je parle de la première circonscription, je m'étends pas sur tout le département parce que je suis pas très sûr des chiffres, la première circonscription, 50% des agriculteurs sur la première circonscription ont plus de 50 ans, et certains sont même plus de 60, ainsi de suite.
Donc en fait, il va bien falloir préparer le renouvellement. D'où l'une des choses qui me tient vraiment à cœur, c'est le problème de la formation industrielle et technique et aussi agricole. En fait, on a des grands lycées agricoles ici. Hein. Et on y reviendra peut-être. Vous allez vous... Voilà, effectivement, au niveau de l'enseignement, on a des très importants outils de formation. Ce sont les systèmes des banques. Attendez, je vais revenir. Aujourd'hui, il faut redonner goût. Redonner goût à nos jeunes. Et c'est un problème culturel sur lequel il faudra que l'on travaille. De redonner goût pour aller et dans l'industrie et bien entendu dans l'agriculture, parce que c'est un très beau métier. Alors en ce qui concerne aujourd'hui les banques, il y a déjà pas mal d'aides à l'installation qui existent, des aides importantes. Le deuxième point, c'est incontestablement, compte tenu de ce que disait M. Monnet, sur lequel je suis d'accord, les coûts importants qui est nécessaire pour s'installer. Moi, j'ai deux jeunes agriculteurs à Souligny qui sont en train de s'installer. Donc, je les suis de très près. Hein. Et donc, en fait, c'est là où ils ont besoin d'aide. C'est là où, justement, si on veut des agriculteurs demain, il est incontestable qu'il faut aller... Il faut garantir les prêts bancaires. Il faut, sans doute, améliorer les aides telles qu'elles sont déjà aujourd'hui, qui sont quand même importantes, d'après ce que me disait la FNSEA. Mais quand même, c'est pas suffisant, je le sais. Et surtout dans notre pays, où, en fait, sur les terrains d'élevage, les terres sont vraiment hors de prix, quoi. Et ça, je dois le dire. Voilà, effectivement, il y a la DJA, donc en fait la dotation jeune agriculteur qui permet effectivement d'installer donc les jeunes, mais effectivement on voit qu'il y a un effondrement des effectifs dans l'agriculture. Absolument. Et c'est la première économie de notre département, donc c'est effectivement une inquiétude pour les Bourbonnais et l'avenir. Alors quand on parle agriculture, l'écologie, forcément on peut l'opposer pour certains, on peut l'associer pour d'autres, l'écologie, le réchauffement climatique en ce moment, exactement, et les questions sociétales aussi, hein. On parle de maltraitance, on parle aussi de glyphosate, tout ça est en train de se changer, il y a des adaptations à faire aussi. La NUP, hein, Yannick Monnet, a décidé donc de faire des concessions, on va dire, avec vos, avec le Parti des Verts, hein, des écologistes, hein, qui ont posé peut-être leurs conditions aussi, peut-être des adaptations, notamment de ce côté-là. Je pense notamment au glyphosate, à la maltraitance animale aussi. Vous en avez fait une de vos priorités désormais, tiens. Oui, c'est pas. Je reviens sur la question des concessions. Dans un rassemblement, on met ce qu'on a en commun. Et ce qui pose débat, on le laisse en débat et on continue de débattre. Tout simplement. On peut parler aussi du nucléaire, on peut parler de ces choses-là. Donc, pour moi, un espace de rassemblement, c'est ça. On fait du commun. Et on n'est pas forcément d'accord sur tout. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a une majorité de choses qui nous rassemblent, bien évidemment. Sur la question environnementale, nous, on pense qu'il faut être beaucoup plus offensif en termes de moyens. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de poser 6% du PIB sur les questions environnementales, avec tout un tas de mesures, notamment sur la production d'énergie, notamment sur l'isolation thermique. On a aussi intérêt, je pense, au niveau européen, au niveau français, au niveau européen, au niveau international, à travailler à imposer des clauses environnementales dans les accords commerciaux, par exemple. On a aussi besoin de travailler... Alors, les choses, en fait, sur l'environnement sont... Et quand je dis ça, c'est pas de la langue de bois, c'est très transversal. Mais par exemple, la question de la boucle économique... Ne pas confondre avec un circuit court, parce qu'un circuit court, on peut fabriquer un produit de Madagascar, s'il est consommé directement dans l'Allier, c'est un circuit court, puisqu'il n'y a que deux personnes qui sont concernées. Donc c'est pour ça que je parle de boucle économique courte. C'est-à-dire que l'on arrête d'avoir des produits dans nos assiettes qui fassent trois fois le tour de la planète, et que l'on essaye de favoriser nos productions locales. Mais en matière d'environnement, c'est indispensable. C'est aussi la question du transport collectif. On pourrait parler de la question du transport ferré, où aujourd'hui on engage la SNCF et le transport ferré dans une mise en concurrence, alors que beaucoup de pays en Europe sont venus en arrière, l'Angleterre, la Belgique, etc. Et que demain, si on veut favoriser le transport ferré, et notamment le transport collectif, je rêve même, je sais que ça va vous parler, de revenir à un principe de taco, que l'on a connu sur nos territoires, mais il n'y a qu'un grand service public de la SNCF qui peut organiser ça aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez pourquoi la SNCF, d'où vient sa création? C'est 1938, c'est parce que toutes les petites sociétés privées qui géraient le transport ferré faisaient faillite, parce que c'est des coûts importants. Il faut mettre des locomotives, il faut entretenir les lignes, etc. Donc l'État a décidé de faire un grand service public pour que tout le monde y accède. Ça, c'est des questions fondamentales pour l'environnement. Et donc on propose immédiatement la baisse de la TVA sur les billets de train, par exemple. Ce qu'ont fait les Allemands,
c'est pas inintéressant quand même. Favoriser ce transport-là, ce mode de déplacement, c'est aussi agir pour l'environnement. Ouais, je reviens sur les contraintes à l'agriculture face à ces objectifs environnementaux. Jusqu'à maintenant, donc, les agriculteurs pensent véritablement comme une contrainte supplémentaire de leur imposer d'utiliser moins de produits. C'est difficile quand même, c'est compliqué de leur dire demain, vous n'utilisez plus rien, vous produirez sans aucun pesticide, aucun glyphosate. Comment faire ? Quel discours vous leur tenez pour leur faire accepter ces mesures ? D'abord, en tant que candidat, il y a un certain nombre de sujets qu'il faut mettre au travail. C'est-à-dire que sur la question du glyphosate, moi je fais le parallèle avec la question de la non-artificialisation. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est quoi ? De ce que je comprends du débat, parce qu'il faudrait certainement le travailler davantage. En tout cas, on a besoin de regarder ça. C'est qu'aujourd'hui, d'imposer des règles environnementales, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait à la place ? On remplace par quoi le glyphosate ? Ça, c'est une vraie question. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à la fois, il faut essayer d'avoir des règles de protection de l'environnement, mais que notre tissu économique puisse s'adapter en conséquence. Et donc moi, la réduction du glyphosate, j'ai pas de souci. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on puisse permettre, c'est certainement possible, je pense que c'est possible, permettre aux agriculteurs d'employer d'autres produits qui leur permettent de produire dans des conditions, en tout cas équivalentes, en termes de productivité. C'est ça la question des clauses environnementales. Il faut accompagner l'économie vers cette transition environnementale. Michel Barbarin, côté écologie, donc on a évoqué effectivement ces contraintes qu'il faudra mettre en place, ou plutôt, j'allais dire, ces mesures pour améliorer l'environnement tout simplement. Vous-même, donc du côté agricole, quelle est votre position envers donc ces mesures qui contraindront l'agriculture à se transformer progressivement? Non, absolument. Donc en fait, ce que disait M. Mounet, moi je lui souhaite beaucoup de courage pour discuter avec sa branche et plus ou moins tous les écologues qui sont dans son... Vous recommencez ? Non, non, mais je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. Parce que en fait... Non, mais je vous parle à vous. Et je vous parle à vous parce que vous représentez tout un programme. Oui. Et en fait, je suis désolé, vous représentez ce programme. Je suis obligé de discuter de ce programme. Bien sûr. C'est ça les enjeux que on est en train de parler pour les Français. Qu'est-ce qui vous gêne dans ce que je dis ? Parce que je gêne un peu, c'est la difficulté que vous aurez à faire passer auprès de vos alliés verts écolos ces problèmes, soit de maltraitance animale, soit de problèmes de glyphosate ou autre. Parce que moi, je veux en revenir là-dessus. Mais vous aurez le problème. Est-ce que la Renaissance n'aurait pas aussi le même problème une branche de LREM qui est plutôt à gauche et une autre qui est quasiment centre-droit, bien plus à droite même. Oui, mais ceci dit, vous avez raison. Il y a toujours des discussions à l'intérieur mais aujourd'hui, on ne voit pas tout à fait les choses pareilles. Parce que plutôt que de dire on arrête le glyphosate, ainsi de suite, nous, notre position n'est pas tout à fait celle-ci. Et je la défendrai. C'est de dire, en fait, c'est quelque chose qui se discute avec les agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas la peine de trouver des solutions, d'imposer des solutions en tapant sur la table, j'allais dire à la Mélenchon, mais il va encore m'adresser. C'est le seul argument que j'entends, c'est Mélenchon. Frustrant pour moi, quand même. C'est votre leader. Parce que c'est pas une idée, Mélenchon. Vous m'attaquez sur le président de la République, moi, je vous attaque sur son bilan. Et donc, moi, j'attaque sur votre programme. Donc, c'est la même chose. Donc revenons-en donc à ça. En fait, incontestablement, le glyphosate, il y a eu des lobbies énormes qui ont joué là derrière ça, et sans doute une très forte influence de cette gauche excessive et radicale qui part en sous-main, sans doute financée peut-être par des grands groupes ou ainsi de suite, sans doute financée pour en arrêter là. Mais L214 avec tout l'argent qu'ils ont pour les cotisations des membres, preuve de sérénité, monsieur Barbarin, vous pouvez pas vous laisser aller à dire n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi, je dis quand même si j'ai une fonction importante, la fonction de député. On ne peut pas dire n'importe quoi. Non, je ne dis pas n'importe voilà, quoi. Voilà, comme ça, on lance des choses en l'air. Je m'interroge. Monsieur Barbarin, alors, bah, du coup, les agriculteurs qui sont sur le secteur de Souvigny, ceux que vous rencontrez, par mon glyphosate, qu'est-ce qu'ils vous racontent ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Eux, c'est un sacré problème, le glyphosate, pour eux. Bon, donc aujourd'hui, ils attendent de notre part des mesures d'accompagnement pour permettre, justement, de travailler les terres différemment. Donc ça sous-entend de la formation et aussi, incontestablement, des aides sur les carburants ou autres, parce qu'il faut beaucoup plus de carburant, ainsi de suite, pour pouvoir traiter les terres telles qu'elles étaient traitées auparavant avec le glyphosate. Donc il faudra les aider. Et c'est ça que je veux dire. On en a besoin et on le fera. Oui, une réaction ? Non, juste parce que sur des sujets comme ça, très importants, qui sont des sujets d'enjeu, je pense qu'il faut arrêter d'être dans des positions de clivage. Je vais vous prendre un exemple. André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme,
s'est battu pour faire adopter une loi qui augmente les retraites agricoles. Et je peux vous dire qu'André Chassaigne, pour faire adopter sa loi, il n'a pas dit « Vous, vous êtes méchant, vous, vous êtes bon, ah bah attention, il y a Mélenchon qui est là, attention, il y a un tel... » Non, il a travaillé... Non, non, mais attendez. Il a... Bah, si, la retraite agricole, c'est il y a 2 ans. Il a travaillé avec tout le monde. Et il a posé le débat de façon, pas consensuelle, mais en posant les enjeux. Et pourquoi cette loi est passée? Parce qu'il a réussi à convaincre une partie de la majorité présidentielle aussi, sinon ça ne serait jamais passé puisqu'ils avaient les pleins pouvoirs à l'Assemblée nationale, pour faire avancer ce dossier. Et nous, pendant la campagne, des gens nous remerciaient en disant « grâce à vous, j'ai 200 euros de plus par mois, et c'est peut-être pas la grande révolution, mais ça change quand même ma vie, en tout cas ça améliore mon quotidien ». Donc sur les sujets environnementaux, je pense qu'il faut avoir les mêmes démarches. Oui, si on commence à être dans des postures politiciennes, on s'en sortira pas. Voilà. Monsieur Monnet va bientôt voter pour moi si ça continue comme ça. Parce qu'en fait, sur le consensus et la recherche, mais c'est parce qu'en fait, moi depuis longtemps, je dis, et je vous le dis depuis le début de ce débat, en fait, tout tourne autour de la négociation avec les partenaires. Je parlais tout à l'heure des entreprises, sur l'augmentation des salaires. Quand vous négociez, il ne faut pas invectiver les gens, sinon vous allez pénaliser quand même. Je ne vous invective pas, mais enfin, côté de votre parti, je suis désolé. Non, parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je suis Yannick Monnet. Mais oui, mais monsieur Monnet, ne me dites pas que vous ne faites pas partie de Nubes. Ne me le dites pas. Mais j'en fais partie. Je ne vous comprends pas. Mais je suis quand même. Bon, donc vous n'avez jamais désavoué votre leader. Je suis désolé. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous ne désavouez pas le vôtre non plus. Moi, je ne le désavoue pas. Je ne le désavoue pas. Est-ce que je ne le désavoue pas. Je ne suis pas en contradiction. On n'a pas qu'un leader. Alors que là, on est en contradiction. Je suis désolé. Alors, du coup, on va passer à l'agriculture parce que sinon, on va parler que de ça. On a parlé de notre département, voilà. On a compris, effectivement, il y a des choses à faire évoluer, chacun a une vision différente. Tout à fait, de vision sociale, ce qui est important. On devrait parler quand même aussi un problème énergie. Je pense parce que... Et on va parler un peu de transport surtout, parce que du coup, on en a un peu parlé. Quand même, je parle parce que, et je pense qu'on a aussi des points de convergence là-dessus, mais sur l'énergie. En fait, parce que les agriculteurs risquent d'être considérablement impactés par le mix énergétique. Donc, comme vous le savez, on cherche un mix énergétique, nucléaire et renouvelable. Et dans le renouvelable, et c'est, incontestablement, ça touche énormément le problème des terres disponibles. Donc, en fait, alors il y a la notion des éoliennes. On parlait des éoliennes. Donc, beaucoup de débats ont lieu dans le département. Dans le département, bien entendu. Il y a le photovoltaïque aussi. Je vais venir sur les deux. Il y a la méthanisation. Si vous me donnez quelques minutes. Ouais. Si vous me donnez quelques minutes, je viendrai sur les deux. Et puis, j'ai essayé de laisser du temps pour aussi M. Moyer. On lui en laissera. Voilà. Donc, je disais, les éoliennes, aujourd'hui, donc... Monsieur Monnet et moi, d'ailleurs, on a été destinataires d'une étude sur le département. Et de ce côté-là, on en est bien d'accord. Il n'y a pas suffisamment de vent pour que les éoliennes soient rentables sur notre département. Alors, il y a certainement des espaces en France où on peut installer des éoliennes. Mais il ne faut pas généraliser ça. En fait, aujourd'hui, sur le département, il y a un certain nombre de lobbies qui essayent d'installer des éoliennes uniquement pour vendre du matériel. Mais en fait, ça ne sera jamais rentable. Donc, les éoliennes, ce n'est pas rentable. Alors, le deuxième point, c'est... Donc, dans le département, les éoliennes, je n'y crois pas. Donc le deuxième point, c'est le photovoltaïque. Et ça, là, on parlait tout à l'heure des terres disponibles. Si vous utilisez les terres disponibles pour mettre des hectares ou des dizaines d'hectares, j'avais un projet de 60 hectares à Souligny, vous vous rendez compte? Alors je ne peux pas installer les jeunes. Des dizaines d'hectares de photovoltaïque où, soi-disant, on va y mettre des moutons très vite. En fait, très vite, vous vous rendez compte que les moutons sont remplacés par une tondeuse une fois par an, puis c'est réglé. Hein. Donc en fait, on retombe sur la pénalisation des agriculteurs. Donc je pense que là aussi, le photovoltaïque, ça doit être un revenu complémentaire des agriculteurs, mais sur des espaces, soit des délaissés, il y en a, soit sur tout ce qui est stabulation, installation, tout ça. Et ça peut être intéressant comme revenu complémentaire aux agriculteurs. Donc c'est là-dessus que je me battrai. Et la méthanisation, votre point de vue? Alors la méthanisation, c'est un petit peu discutable, je le reconnais. Parce que le problème de la méthanisation, c'est que ce n'est pas totalement décarboné. Ça, c'est un risque. Mais malgré tout, on en a quand même besoin. On va pas dire demain, du jour au lendemain, on va supprimer le gaz. D'accord, on a un problème avec l'URSS, enfin la Russie, pardon, excusez-moi. On a un problème avec la Russie, mais quand même, on va pas s'en sortir facilement. Donc, il faudra bien aller chercher du gaz quelque part. Donc la méthanisation, c'est une bonne idée, mais malgré tout, il faut penser quand même que c'est un produit qui est carboné. Mais ça peut être une excellente transition. Par contre, du côté du nucléaire, alors là, je pense qu'on ne va pas vous mettre d'accord là-dessus. Le nucléaire, Emmanuel Macron, donc, est pour un maintien véritablement de l'énergie nucléaire en France. Du côté de la NUPES, en fait, vous êtes plutôt donc défavorable à l'énergie nucléaire. Non. Précision. Précision.
c'est le principe d'un rassemblement. C'est-à-dire qu'on a des points d'accord, on a des points de désaccord. Moi, je suis membre du Parti communiste français. Et nous portons l'idée du nucléaire. Parce qu'on pense que c'est aujourd'hui la seule production viable, décarbonée, qui permet d'alimenter tout le monde à bas coût. Et facteur d'emploi aussi. Et facteur d'emploi. Mais ce que je porte surtout, que ce soit le nucléaire, l'éolien, le photovoltaïque ou le méthaniseur. Parce que le méthaniseur, la difficulté quand même aujourd'hui, c'est qu'on a des exploitations qui produisent que pour le méthaniseur, parce que c'est plus rentable que de produire de l'alimentation. Des cultures dédiées. Des cultures dédiées, ce qui pose quand même problème. Alors que l'idée de départ n'était pas inintéressante, puisque c'était les déchets. C'est le système qu'a choisi l'Allemagne, d'ailleurs, d'avoir des cultures exclusives. Donc ça, c'est pas mieux. Dans ces conditions-là, c'est pas mieux que le photovoltaïque. Je partage tout à fait. Pour moi. Mais c'est des revenus pour les agriculteurs. Non, mais même le photovoltaïque. Mais enfin, moi, à un moment donné, si un plombier gagne sa vie en faisant des baguettes, on va avoir un problème de plomberie. Voilà, donc chacun doit gagner sa vie en faisant son métier. Donc moi, ce que je pense sur la production d'énergie, l'enjeu central, plutôt que de s'écharper sur pour ou contre photovoltaïque, nucléaire, c'est que ce soit une maîtrise publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production d'énergie est livrée aux intérêts financiers. Les élus sont harcelés par les vendeurs de photovoltaïque, par les vendeurs d'éolien. Et du coup, on n'est que dans des intérêts financiers. Plus de pouvoir, donc, aux élus publics, alors, c'est eux qui auront le pouvoir de décision pour l'installation. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, on puisse imposer des choses à un élu local. Parce que ça peut être le cas. Le préfet peut décider de dire, il y aura tel type de projet, on l'imposera. Pour moi, ce n'est pas normal. Vous savez qu'on a des projets de photovoltaïque sur notre circonscription à plus de 150 hectares. Pas très loin de chez vous, d'ailleurs. Donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème sur des terres herbagères. Bref, mais pour moi, la production d'énergie, c'est avant tout une question publique. Il faut que ce soit un grand service public. Parce que c'est quoi un grand service public? Comme M. Barbarin disait, je vais vous égratigner un petit peu, M. Barbarin. Oui, il y a juste une chose qu'imaginer quand vous dites que l'État, c'est rien. Non. L'État, c'est tout. L'État, c'est l'organisation des services publics. L'État, c'est l'école. Ouais. L'État, c'est la santé. L'État, c'est tout ça. C'est ce que je vous ai dit. L'État, c'est une organisation. J'ai pas écouté ça. Mais... En tout cas, ce que je pense, c'est que demain, la production d'énergie, si elle est publique, ça veut dire qu'elle est détachée d'enjeux financiers et qu'il n'y a que l'intérêt général qui prime. C'est ce qui était EDF-GDF. Pourquoi il y a eu des constructions centrales? Nous, on est pour le mix énergétique, et Jean-Paul Dufresne. On se distingue un petit peu, peut-être, là-dessus. Mais nous, on n'est pas sur le tout nucléaire, c'est pas la question. On regarde les choses de façon pragmatique, mais surtout, qu'on ait une production publique, et que cette production-là soit dégagée d'enjeux financiers. Et si c'est dégagé des enjeux financiers, on sera sur l'intérêt général, qui doit être partagé avec les citoyens, bien évidemment. On va passer du côté du transport. J'ai juste une précision, mais je vous laisse très rapidement. Je rappelle simplement que EDF-GDF, bon, moi j'y ai travaillé 42 ans, je le connais bien, et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et je rappelle quand même que EDF-GDF n'a jamais eu le monopole de la production. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà. Donc, ceci dit, il y a sans doute un certain nombre de choses à faire, parce que vous avez dit quelque chose, et M. Monnet a dit quelque chose de vrai. On ne peut pas imposer un élu. D'une façon catégorique, un élu, de faire quelque chose qu'il ne souhaite pas et que c'est les gens qui ont voté pour lui ne le souhaitent pas. Donc ça, par contre, je suis tout à fait d'accord avec cette position et ça, je le maintiendrai. C'est, donnons aux élus le rôle pour lequel ils ont été élus, en fait. Hein, donc d'être capable de prendre des décisions sur le territoire sur lequel ils ont été élus par les gens qui habitent ce territoire. On va parler des transports, du coup on va basculer des transports qui touchent aussi la ruralité. L'écologie aussi. L'écologie, ça touche un peu. Alors c'est une grosse compétence de la région, mais vous en tant que député, notre département et notre circonscription dépend beaucoup de, par exemple, de la SNCF pour faire des trajets à Paris, pour aller dans notre capitale régionale à Lyon, etc. Quel est votre point de vue là-dessus? Et aussi, par exemple, aussi les systèmes de transport, les bus traverse pour aller, pour ceux qui travaillent entre Souvigny et Moulins, par exemple. Quel est pour vous, Yannick Monnet, votre but en tant que député? Quel combat allez-vous mener pour le transport, pour notre circonscription, pour le département de l'Allier? Alors, le premier combat qu'il faut mener d'urgence, c'est sur la question des prix de l'essence. Très sincèrement, on ne peut pas laisser les gens se faire les poches, parce que aujourd'hui, quand on regarde ce que Total a versé à ses actionnaires, on est en droit de se dire que l'argent n'est pas gagné correctement. Bref, donc je pense qu'il y a des mesures d'urgence à faire. On a plus de 2 euros le litre. Hein, ça a augmenté en ce moment. Et ça continue d'augmenter. Et je peux vous dire, quand on a 50 balles de plus sur un plein, à la fin du mois, quand on est obligé de prendre sa voiture tous les jours, ça pèse. Donc je pense que là, il y a vraiment une mesure d'extrême urgence à prendre. Après, je vais me répéter sur la question du transport. Pour moi, la première mesure intelligente et le premier travail qu'il faut engager, c'est une réunification de la SNCF.
un grand service public du transport ferré. Aujourd'hui, la SNCF, elle est saucissonnée en différentes sociétés anonymes. On ne sait plus bien qui fait quoi. Et en plus, on va vers une ouverture à la concurrence qui est déjà là. D'ailleurs, je dis on va, c'est une erreur. Elle est déjà là. Mais on a besoin d'un grand service public du transport ferré, tant pour le transport de voyageurs que pour le fret. Écoutez, moi, je veux bien qu'on construise des routes, et on a raison, et je me réjouis de la mise en deux fois de voies de l'air, c'est vrai. Bien évidemment. Mais quand vous voyez le nombre de camions sur cette route, je suis directeur de cabinet dans une mairie à côté d'ici, dans la Nièvre. Donc je prends ma voiture tous les jours pour prendre la Nationale 7 et remonter dans la Nièvre. Mais attendez, c'est infernal le nombre de camions. Mais ces camions seraient mieux sur des trains. Et ça, aujourd'hui, si on le confie pas au service public, qu'est la SNCF qui... Enfin, je trouve scandaleux ce qu'on fait vivre aujourd'hui aux cheminots dans ce pays. Je vais vous dire, les cheminots, c'est les premiers qui sont traumatisés et qui sont blessés de voir le dysfonctionnement d'un certain nombre de trains. Jean-Paul Dufoin, il a souvent pris la ligne Paris-Clermont. Oui, attendez, une ligne voilà, qui est symbole en France, effectivement. Elle a souvent des retards. Mais pourquoi il y a des retards? C'est parce qu'à un moment donné, le matériel n'est pas entretenu correctement, parce qu'ils n'ont pas, les moyens d'entretenir le matériel, les voies ferrées qui ne sont pas entretenues correctement. Vous savez que, par exemple, sur cette ligne-là, on pourrait gagner jusqu'à 20 minutes de trajet si les locomotives pouvaient rouler normalement sur des lignes normalement équipées. C'est une question centrale, cette question de la SNCF, un grand service public réunifié. Très sincèrement, ce n'est pas une petite question pour notre pays. Michel Barbarin, votre vision en tant que pour le transport aussi, pareil pour la SNCF, parce que c'est important pour notre... Vous êtes vice-président du tourisme au niveau de l'agglomération, donc le tourisme prend le... Là, en ce moment, on en voit plein qui prennent le train. Le transport. Qui participe au désenclavement du territoire. Absolument. Tout à fait. Donc moi, j'ai une vision légèrement différente, mais pas totalement opposée à ce que vient de dire Monsieur Monnet. Donc, je vais revenir sur deux points, à mon avis. Il y a le problème des transports longs et le problème des transports courts ou moyens. Donc en fait, en ce qui concerne les transports longs, moi je pense en effet qu'il y a un vrai problème sur les lignes de type Paris, Nevers, Moulins, Vichy-Clermont. On le vit tous les jours. Moi j'ai travaillé de nombreuses années à Paris, j'habitais Souigné. Donc j'ai pris tous les jours le train, avec monsieur d'ailleurs Dufresne régulièrement, et d'autres. Donc, en fait, il y a un véritable problème de matériel. Depuis des années, moi je le dis, la SNCF a reçu des aides pour rééquiper les trains, en particulier les trains inversibles. Parce que vous savez qu'il y a un vrai problème. Quand vous arrivez à Gare de Lyon ou à Clermont-Ferrand, il faut déplacer les wagons, enlever la machine, la remettre devant. Donc ça coûte un fric fou. Et un temps fou. Et donc, ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Donc, si on avait déjà, depuis longtemps, si la SNCF avait pris en charge ses engagements et les obligations qu'elle avait faites, ça se ferait. Donc là, il y a un vrai problème aussi, sans doute, dans le passé, parce que je pense que c'est quelque chose qui est à long terme, des élus précédents qui n'ont pas pris leurs responsabilités. On avait les élus, et nous sommes prêts à les prendre leurs responsabilités dans ce domaine-là. Donc ça, c'est les grandes lignes. Et je dirais le deuxième point important qui me semble important, c'est aussi de désenclaver, je dirais Moulins, mais c'est vrai pour Vichy, et c'est, ce que je dis là, c'est aussi vrai pour Moulins, ainsi de suite, c'est de désenclaver par rapport à notre capitale régionale. Je suis désolé aujourd'hui, la région existe, Lyon existe. Donc, je trouve inacceptable aujourd'hui que Moulins, Lyon, soient dans des conditions incroyables. Moi, j'ai fait pendant plusieurs années le trajet Grenoble, Lyon, Souvigny, Moulins. Donc. Incroyable. Le manque de matériel et la qualité. Donc aujourd'hui, moi député, je vais me battre avec la région pour que l'argent que la région a mis sur Lyon-Grenoble, parce que le sillon alpin est vraiment formidable, hein, ça marche vraiment très très bien depuis plusieurs années. Mais je voudrais bien qu'on le fasse sur le sillon moulinois. Ça c'est un point. Le deuxième point, c'est les transports courts. Je voudrais y revenir rapidement. Les transports courts, je ne crois pas à 1930, je ne sais plus combien, 38, cette époque où la paix du tout SNCF, ainsi de suite, c'est révolu. Et c'est révolu pourquoi? Parce que il faut, plutôt que de mettre de l'argent dans la remettre en place des tacos, je veux bien pour le tourisme, mais remettre en place les tacos. C'est ironique le taco. Non, c'est ironique, j'ai bien compris. Je reprends aussi. Le tourisme, ça va venir. C'est pas marqué dans le programme de Jean-Luc. Cher ami, j'ai bien compris. Et donc, je voulais dire par là que l'avenir de la technologie française, elle n'est pas là. Hein. Elle n'est plus là. C'est pas la peine de mettre de l'argent dans des technologies qui sont aujourd'hui obsolètes. Je voudrais, et rapidement, je ne veux pas laisser aux étrangers le monopole
de l'industrie de demain, en particulier de tout ce qui pourrait toucher les automatismes, les voitures télé, autoguidées, et ainsi de suite. On a un super réseau routier, il est là, il existe, utilisons-le. Alors, dernier point, industriellement, je sais que, industriellement parlant, je ne voudrais pas qu'on refasse les erreurs qu'on a commises dans le passé. On a loupé le virage de l'informatique. On a loupé le virage du téléphone portable. Alors, on est en train de louper peut-être le virage du nucléaire. Moi, j'en viens du nucléaire et je peux vous dire une chose. Il y a quelques années en arrière, tous les appels d'offres étaient en français. Maintenant, c'est fini. Donc, aujourd'hui, ne loupons pas ne loupons pas la technologie du futur, de tout ce qui est les automatismes et le positionnement. Alors, on prendra peut-être le virage de la voiture électrique pour l'industrie française, puisqu'en 2035, c'est la fin de la voiture thermique, tout le moins dans les ventes, dans les fabrications, dans les usines à travers la France, notamment. Il y a également cette mesure de voiture électrique à 100 € par mois, promis par le gouvernement Macron. C'est porteur d'emploi, c'est porteur d'écologie, c'est porteur d'économie, Yannick Monet, toutes ces mesures. Non, mais le tout n'est pas dans le tout. Voilà, c'est un sujet que je connais pas un petit peu, mais sur la voiture électrique, il faut bien regarder ce que ça va représenter demain. L'efficacité de la technologie. Alors, je ne suis pas assez aguerri sur cette question-là pour vous en parler longuement. Mais on ne peut pas à la fois se dire c'est l'emploi contre l'environnement, ou c'est l'économie contre l'emploi, ou l'économie contre l'environnement. Il faut avoir, je pense, une pensée un peu plus globale. Moi, la question de la voiture, c'est comment aujourd'hui on fait pour se déplacer. Qu'on ait des effets d'annonce, parce que pour moi, ça, c'est des effets d'annonce. Oh, voilà. À partir de telle date, on arrête la voiture thermique. C'est pas ce qui va se produire, pour vous. C'est... Mais je sais, non, je suis pas Madame Irma, moi, j'en sais rien. Et je dis simplement, il faut donner un peu plus de lisibilité. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, qui ont des voitures, ils sont obligés de se déplacer. Est-ce que demain, ils auront les moyens de changer leur véhicule? C'est une vraie question. On peut toujours... Moi, les effets d'annonce, sur les questions environnementales, elles m'embêtent. D'où qu'elles viennent, d'ailleurs. D'où qu'elles viennent. Et elles viennent pas tout le temps de droite. Elles peuvent venir de gauche, parfois. Je vous l'accorde. Il faut qu'on travaille sérieusement comment on fait évoluer nos sociétés sur les différents modes de déplacement. C'est ça la question de fond. Moi, l'électrique, j'écoute les scientifiques. Je ne suis pas un scientifique, moi je les écoute. Certains disent c'est pas mal, d'autres disent c'est pas le top. Hein, parce que la production de batteries aujourd'hui, elle pose d'autres problèmes en matière environnementale. Il y a la question de l'hydrogène, vous comprenez? C'est à un moment donné, il faut qu'on rassemble tout ça et qu'on travaille un petit peu sur ces questions un peu plus sérieusement que par des effets d'annonce. On va basculer du côté de la santé. Maintenant, nous allons évoquer pas mal de choses. La santé, c'est un domaine très important dans vos deux programmes, d'ailleurs. Le monde sort, alors je dis bien entre guillemets, de la pandémie de la Covid-19. On voit que ça repart dans certains pays asiatiques. Cette Covid-19 qui a fait ressortir toutes nos failles dans notre système de santé, et en particulier hospitalier. Alors aujourd'hui, il est temps, et on a l'impression qu'il y a déjà des années, que tout le monde applaudissait les soignants le soir. On avait vécu ça, nous, ici, depuis Radio Blocage, pendant le premier confinement. Là, maintenant, on a l'impression que voilà, le soutien est moins apporté aux blouses blanches. Hôpital, service d'urgence, maternité, EHPAD, service psy, désert médical, que défendriez-vous demain en matière de santé au Palais Bourbon? Donc on va commencer par vous, Michel Barbara. Merci. Voilà, c'est un thème qui est très global et qui touche tout le monde. Voilà. Donc en fait, au niveau de la santé, vous savez, il faut un peu décomposer les choses. Et vous l'avez un petit peu dit d'ailleurs dans votre question. La santé, c'est un tout. Ça va de la petite enfance jusqu'à l'accompagnement de la fin de vie. Donc en fait, il faut savoir de quoi on parle, et il y a sans doute des actions à mener qui sont parfois différentes mais qui concourent tous au même point. Donc, on a parlé, vous avez parlé par exemple des problèmes des hôpitaux. Donc, en fait, déjà, ce que je peux dire aujourd'hui, parce que j'en viens et j'ai regardé ça de très près, par exemple, à Moulins, on n'a pas de problème. Tous les postes d'urgence sont couverts par les médecins urgentistes. L'hôpital et les médecins le disent, est plutôt moderne et bien, bien équipé et tourne relativement bien. Alors, c'est aussi vrai à Vichy, mais c'est pas vrai du tout à Montluçon. Oui, hein, nos voisins à côté de Nevers qui ont perdu leur maternité, voilà, il n'y a pas très longtemps. Ouais, ouais. Donc là, il y a un vrai problème sur lequel, incontestablement, donc il y avait le fameux programme que moi je défends, c'est en effet de lancer une grande concertation avec les professionnels pour regarder les méthodes que l'on doit... la façon de s'y prendre. C'est pas nous qui allons décider, c'est pas les politiques tout seuls qui vont décider, on n'a pas la science infuse, quoi. Et donc, incontestablement, il faut travailler en concertation avec les professionnels, et on le fera, et ça, c'est très important.
Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on parlait surtout de la médecine de ville et la médecine rurale, parce que je pense que c'est peut-être là où vous vouliez me voir. On est particulièrement sur Vigny, il y a un docteur qui va partir dans quelques dans pas longtemps, docteur Casanova, on va pas le citer, et il ne trouve pas de remplaçant. Je confirme bien qu'il a bien une remplaçante. Voilà. Donc, mais du coup, voilà, dans plein d'autres endroits... Et ça, dès le 15 il y a des problèmes pour remplacer les docteurs. Sa remplaçante sera là. Donc, mais ceci dit, c'est compliqué. Faire venir des jeunes médecins. Donc, faire venir les jeunes médecins, c'est compliqué. Mais malgré ceci dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire venir les jeunes médecins? En fait, il faut leur donner une certaine attractivité du territoire. Yannick, parce que ça, c'est très important. Je vais laisser parler Yannick. Parce qu'il est très en retard. Pour moi, c'est attractivité du territoire. Les jeunes médecins, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vivre comme tout le monde aujourd'hui. Ils veulent faire 35 heures. Ils veulent aussi s'occuper de leurs enfants, changer les couches et tout ça, comme tous les jeunes papas ou les mamans, ainsi de suite. C'est ça qu'ils veulent faire aujourd'hui. Donc, il faut leur donner une certaine attractivité au travers de l'équipement du territoire. Ça, c'est un premier point. Et puis, c'est un enjeu pour le département. Il y a des maisons de santé, effectivement, qui se construisent. Parfois, elles sont vides, ces maisons de santé. On n'arrive pas à trouver des spécialistes. Est-ce qu'il ne faut pas imposer, tout simplement, aux médecins de venir travailler pendant tant d'années? Et puis voilà, quoi. J'ai un peu de temps, je peux m'installer. Bien sûr, là, c'est bon pour la santé. D'abord, là où je ne suis pas d'accord avec M. Barbarin, c'est que ça fait bien trop longtemps que les politiques ne décident de rien en matière de santé. Et on se retrouve dans une situation où les gens ne peuvent plus soigner. Le bilan du président Macron en matière de santé. En 5 ans, c'est 17 900 lits dans les hôpitaux de fermés, dont 5 700 en pleine crise sanitaire. Et c'est 4 milliards d'euros d'économies sur les hôpitaux. J'ai regardé les chiffres, parce que des fois, j'ai un peu de doute sur ça. C'est ça le bilan du président de la République. Ce sont vos chiffres. Hein, ce sont vos chiffres. Non, c'est pas le nôtre. Non, c'est ceux qui sont marqués sur votre dépliant, mais ce sont vos chiffres. Nous, on ne dit pas n'importe quoi, on ne dit pas ce qui nous passe par la tête. Nous, on regarde les chiffres réels. Bref, la solution. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur la circonscription aujourd'hui. Sur la circonscription aujourd'hui, et ça, ce sont les chiffres de l'assurance maladie qui sont accessibles à tous. On a 78 médecins qui font de la médecine générale, la médecine de ville, sur l'ensemble de la circonscription. Parmi ces 78 médecins, il y en a 27 qui ont plus de 60 ans. Et parmi les 27 qui ont plus de 60 ans, il y en a 14 qui ont plus de 65 ans. Donc on a une démographie médicale qui est en danger. Et on parle que de la médecine générale. Je parle que de la médecine générale. J'y viendrai, puis je n'oublie pas votre question sur la maison de santé, parce que c'est un sujet que je connais bien, que j'ai travaillé. Ensuite, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a 8687 personnes, mes chiffres datent de 3 mois, peut-être qu'ils ont été réactualisés, 8687 personnes qui n'ont pas de médecin traitant sur notre circonscription. Voilà l'inaction d'un certain nombre de politiques, qui ne datent pas que de M. Macron, depuis de nombreuses années, où on ne prend pas de décision sur ces questions-là, et on se retrouve dans cette situation qui va s'aggraver. Parce que vous parlez de l'hôpital public, je peux vous dire qu'à l'hôpital de Moulins, il y a un certain nombre de services. Vous parliez que des urgences, je crois. Il y a un certain nombre de services qui sont en attente de recrutement d'infirmières et qui ne trouvent personne. Donc en plus, on a la question de la formation qui n'a pas été traitée correctement dans ce pays. Nous, on dit les choses très simplement. Il y a des mesures d'urgence à court terme qu'il faut employer rapidement, un peu coercitives, mais c'est comme ça, c'est une question de santé publique, et puis des mesures à moyen terme pour enrayer ces problèmes de démographie médicale. La première chose, c'est d'arrêter de conventionner les médecins qui s'installent dans des zones détendues. Aujourd'hui, un médecin, c'est un fonctionnaire. Un médecin, s'il vit, c'est parce qu'il y a la solidarité nationale qui se traduit par la sécurité sociale. Et s'il vit et s'il est remboursé, c'est parce qu'il y a la sécurité sociale. La deuxième chose, c'est qu'il faut impérativement, dès maintenant, dès la rentrée septembre, qu'on dise aux médecins qui vont rentrer en formation, et je pense qu'il faut que l'État les accompagne davantage d'ailleurs dans ces formations-là, en termes de moyens financiers, c'est de dire, une formation de médecin, c'est 300-400 000 euros quand même. C'est pas rien. Et c'est une faculté publique, donc c'est nous qui payons aussi la formation. Les formations c'est nous qui payons. Elles sont publiques. Oui, mais elles coûtent 300-400 000 euros. Donc, la moindre des choses, c'est de dire aux gens, quand ils rentrent dans l'école, s'ils sont bien accompagnés, quand vous sortez, vous devez un certain nombre d'années, et je vais vous dire quelque chose qui va vous parler, puisqu'on a la Ligue de l'enseignement, mais c'est ce qu'on faisait pour les enseignants. Quand ils faisaient l'école normale, les enseignants leur disaient, vous rentrez 15, alors après c'est passé à 10, je crois, mais il y avait une obligation de rendre ce que la collectivité avait donné. Et bien, pour les médecins, il faut que ce soit pareil. Alors, il ne s'agit pas de leur dire, vous n'avez pas le choix, vous allez à tel endroit précisément. Non, vous allez en zone tendue, là où il y a besoin de vous, et vous rendez ce qui vous a été donné à la collectivité. Et je pense qu'on peut toujours continuer à discuter et à essayer de faire la danse du ventre. Là, il y a urgence. C'est-à-dire que j'entends les mesures incitatives. Je les entends, ces mesures incitatives. Mais elles ne fonctionnent pas aujourd'hui. Elles ne fonctionnent pas puisqu'on a une démographie médicale qui est en train de se dégrader. Donc, je pense que ça, c'est une dernière chose sur les maisons de santé.
Mais il y a maison de santé, centre de santé. Moi, je suis pour qu'on lance un grand plan national de promotion des centres de santé, avec des professionnels salariés, ce qui permettrait de salarier, y compris des spécialistes. Ça se fait de plus en plus. Une maison de santé, c'est quoi ? C'est des libéraux qui se mettent d'accord sur un projet, qui se mettent ensemble. Mutualisation. Et ça fonctionne. Moi, je ne suis pas contre les maisons de santé, mais ce n'est pas la même chose qu'un centre de santé. C'est un autre projet. Et donc, moi, ce que je propose, c'est qu'un plan national sur les centres de santé, ça vient en complément de ce qui existe, mais ça ne se substitue pas à ce qui existe. Mais c'est fondamental, cette question. Alors, passons de la santé. On va prendre un peu de hauteur, parce que le poste de député va vous amener à parler des questions internationales. De défense nationale, d'international aussi. C'est le dernier volet de ce débat. C'est le dernier volet de ce débat-là. L'Allier, même si aujourd'hui elle ne compte plus, on va parler déjà de la défense, du monde de la défense un peu méconnu. L'Allier, quand même, comporte une base de défense ici à la Besmat, à Moulin-Iseur, une base importante qui va être modernisée d'ailleurs. On reviendra dessus dans nos discussions. La fermeture de la base d'ARN de Varennes-sur-Allier qui est fermée il y a quelques années, des territoires qui sont quand même jumelés avec la Marine nationale, des centres de formation pour les jeunes, et surtout l'industrie qui est au niveau départemental. Donc, il y a Safran à Montluçon, NSE à Bray, pour notre circonscription, il y a la future base logistique de Nexter au Logipark de Montbéli, qui va être une base importante de ce côté-là, et pas mal de sous-traitants. Alors, quelle est votre action pour vous, en tant que futur député, alors Michel Barlin, je vais m'adresser à vous en premier, pour essayer de faire venir ces entreprises créatrices d'emplois et de faire en sorte qu'elles restent ici dans le territoire ? Oui, enfin, là, je dirais, faire venir les entreprises créatrices d'emplois, c'est pas spécialement lié à la défense du territoire. Bien sûr. Donc, en fait, le vrai problème, c'est de rendre les entreprises, le territoire attractif. En particulier, pour que le territoire soit attractif, il faut une condition essentielle. Il faut du personnel, des gens qualifiés et formés. Donc, en fait, je ne crois qu'à ça. Je crois qu'à la formation. La formation technique, les formations généralistes. Donc, dans notre région, il faut que nos jeunes puissent être intéressés par tous ces métiers de l'industrie, parce que c'est un vrai problème aujourd'hui, de l'artisanat et de l'industrie. Et deux, il faut pouvoir les former et les sédentariser, c'est-à-dire leur permettre de rester. Alors, parce que souvent, les jeunes vont se former ailleurs, les jeunes écoles d'ingénieurs vont se former ailleurs, mais il faut qu'ils reviennent. Donc pour qu'ils reviennent, il faut donner le goût de notre territoire à revenir. En fait, notre territoire, aujourd'hui, est quand même nettement sous-équipé. Je dirais, je reviens toujours au problème des crèches, des problèmes des mâmes, des gardes, le problème des écoles, la qualité des écoles dans les petites communes, si on veut que les jeunes viennent aussi s'installer dans les petites communes. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel je souhaiterais travailler, c'est-à-dire valoriser les métiers et les métiers scientifiques et techniques, chez les garçons comme chez les filles. Et y compris dans l'agriculture, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire redonner goût à nos grands lycées techniques, aujourd'hui, qui existent sur le territoire, mais qui sont laissés un petit peu à l'abandon. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de culture. On ne veut pas envoyer les jeunes dans les métiers techniques. Donc, en fait, si vous voulez que les entreprises viennent, il faut qu'ils trouvent sur place les techniciens, les ingénieurs dont ils ont besoin. Sinon, ils ne viendront pas. Alors, là, je parlais pour les entreprises en général, mais surtout du monde de la défense, Yannick. On sait que ce genre de grandes entreprises s'implantent via certaines commissions, un député comme par exemple André Chassaigne qui siège à la commission de la défense. Ces grands groupes sont amenés souvent par Paris, du coup. Donc du coup, comment vous, en tant que député, vous allez vous battre, comme Jean-Paul Dufresne l'a fait pour la base de Besmat, comment allez-vous vous défendre pour faire en sorte que ces entreprises s'implantent et restent dans notre territoire ? La vraie question d'abord, c'est rappeler effectivement l'engagement qu'a été le député Jean-Paul Dufresne sur la BSMAT. Parce que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi l'État qui agit de façon très particulière. C'est un coup, on met une base, on investit dans une base, on décide d'en fermer une autre, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas de logique industrielle dans le pays. Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes que sur la défense. Pensais à la BSMAT, c'est pour ça qu'on est. Oui, mais la BSMAT, c'est un dossier, moi, sur lequel. Très sincèrement, le député vous en parlera bien mieux que moi. Il s'est beaucoup engagé, notamment il était beaucoup en contact avec les ministères pour faire en sorte d'abord que la BS, que la structure reste sur notre territoire. Et c'est pas rien parce que c'est beaucoup d'emplois. Je trouve que le fait qu'elle reste là où elle est plutôt que d'aller s'installer au Gipar, personnellement, en tant qu'élu local, je trouvais ça mieux parce que si c'est pour créer une friche industrielle en plein cœur du centre urbain, je vois pas ce qu'on ait gagné. Enfin, l'essentiel, c'est que ça reste ici. Et ensuite, sur l'ensemble des entreprises, effectivement, on a besoin d'avoir des politiques, alors pas qu'incitatives. Vous savez, aujourd'hui, la question de l'attractivité des entreprises, c'est quelque chose souvent qui est laissé aux élus locaux, sans beaucoup de moyens d'ailleurs, même si les élus locaux font.
Et je pense qu'on a besoin de davantage discuter avec l'État pour éviter qu'un certain nombre de groupes, alors on appelle ça comme ça, mais soit dans un rapport de négociation et de chantage entre les territoires. Il faut qu'on essaye d'avoir une réindustrialisation relativement équilibrée. Quand je dis ça, moi je ne sais pas s'il faut que ce soit les usines d'armement qui viennent sur l'Allier. Est-ce que c'est judicieux ou pas? En tout cas, il faut avoir une politique de planification industrielle au niveau national qui permette d'installer, de réindustrialiser l'ensemble des territoires de façon équilibrée, pertinente, méthodique et sérieuse. Vous avez décidé tous les deux de briguer le fauteuil de député. Si vous aviez quelques mots qui incarneraient véritablement votre programme, j'allais dire votre personnalité, en bref, finalement, le message essentiel que vous voudriez transmettre aux électeurs bourbonnais, pour les convaincre à deuxième tour de voter pour vous pour ces élections législatives. Et notamment, justement, pour convaincre, alors je rajoute une phrase à Sébastien, tous les deux, parce que chacun dans vos camps, vous aviez des personnes contre vous qui étaient de votre camp. Du coup, je pense à Jean Malo pour le PS, et vous, de votre côté, il y a aussi des gens, comme on pensait à Mathieu Geffray, tous ceux des Républiques En Marche, ce moment-là, qu'on a peu vu autour de vous, et du coup, voilà, et d'autres gens qui sont juste sur ton droit, etc. J'arrête sur Mathieu Geffray, il n'était pas candidat. Non, il n'était pas candidat, mais on sait tous, sinon, en off... Mais par contre, il n'était pas candidat, vous auriez dû parler de... En off, que sur Moulin, il était... Vous auriez dû parler plutôt de Roger Létédon, plutôt. Parce qu'en fait, un candidat législatif, il y a aussi des candidats off. C'est ça que je veux dire, c'est que ne me parlez pas de gens qui ne sont pas candidats, parce que je suis quand même un peu... Officiellement, mais on sait tout. Alors, je rajoute, les candidats sortants, mais des gens aussi qui étaient, qui sont dans votre camp, qui étaient prêts à prendre le poste, et qui, du coup, on n'a pas vu pendant toutes ces élections. En fait, vous me posez la question sur le problème de Mathieu Geffray, c'est ça? Aussi, non, mais comment vous allez convaincre les électeurs, parce qu'on parlait de la question à la Richard, les électeurs qui n'ont pas voté pour vous au premier tour, pour voter au deuxième tour? Voilà. Donc, en fait, moi, je vais convaincre les électeurs Et les indécis. Donc en fait, ce que je voudrais proposer, ce que je propose aujourd'hui, c'est de dire, on a vraiment deux choix de société. On l'a vu là, aujourd'hui autour de ce débat, et on le voit tous les jours en France avec ce qui se passe entre justement la NUPES et Ensemble. Donc on voit bien que c'est deux oppositions fondamentales qui se proposent. Donc il y a un côté, j'allais dire, punitif. Une société punitive, je veux imposer les médecins, je vais obliger à des salaires indépendamment du problème d'entreprise. Donc vous savez, c'est constamment cette extrême, je dirais, gauche punitive qui propose un certain nombre de choses. En ce qui concerne donc l'autre choix, c'est une société, je dirais, apaisée, plus centriste, qui permet justement d'envisager la gestion et l'évolution du pouvoir d'achat, de la liberté surtout, de la liberté et aussi du rayonnement international de la France. C'est ça le projet que moi je veux défendre. Et c'est pour cela que je dis aux électeurs indécis ou autres, attention, faites un choix fondamental. Soit vous allez vers une société punitive avec de hauts risques, de faillite complète, l'exemple d'augmenter les salaires sans négociation avec les entreprises, ça, c'est où tu payes, où tu meurs, c'est ça le vrai sujet. Donc en fait aujourd'hui, c'est un choix, c'est-à-dire soit je me retrouve avec des milliers de chômeurs, ou alors j'accepte cette idée que par la négociation, par l'évolution scientifique et technique, par le projet de la France sur le futur, je parlais des problèmes des robots, ainsi de suite, et c'est là qu'il faut aller, parce qu'il ne faut pas lâcher le morceau là-dessus, parce que sinon les autres pays nous rattraperont, et aussi par une intégration totale de l'Europe. Parce que je rappelle un propos de ce que tenait le patron de la FNSEA, qui disait, si les Bourbonnais devaient manger toute la viande qui est produite dans le Bourbonnais, il faudra en manger 200 kilos par an. Donc en fait, il faut bien penser que nous avons besoin de l'Europe pour exporter aussi. Donc, ne nous éloignons pas de l'Europe, restons dans l'Europe et travaillons avec elle. C'est aussi une source de la sécurité, vous parliez de l'armée, c'est aussi une façon de protéger notre territoire. Yannick Monnet,
On évoquait tout à l'heure Jean Mallot, effectivement, qui a décidé de se présenter au premier tour, ne pas rejoindre effectivement l'union de cette gauche que vous avez formée. Il a donc décidé de partir donc en cavalier seul au premier tour. Il n'a pas donc passé donc ce second tour. Finalement, vous regrettez. Il a appelé à voter pour nous. Oui, finalement, vous regrettez de ne pas vous avoir entendu dès le départ. Comment ça s'est... Est-ce que c'est une démarche un peu décalée de sa part? Est-ce qu'il y avait de l'ambition, peut-être, mais personnel? Je n'en regrette rien. Mais écoutez, je suis très embêté par ce que j'entends, mais moi, je ne me construis pas, je ne me suis pas construit en politique contre les autres. Pas ça, moi. Aujourd'hui, on a toujours, avec Jean-Paul Dufresne, porté la question du rassemblement. Et on continuera à la porter, parce qu'on pense que c'est un élément indispensable. Vous me posez la question, surtout, c'est cette question-là qui m'intéresse. L'autre, il n'y a pas de problème, quoi. Il y a un rassemblement de l'ensemble des forces de gauche, sans équivoque. Sans équivoque. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a pas de problème. Avec nos différences. C'est ça qui est très bien. Vous me dites quel député je voudrais être. Moi, je vous le dis, je m'inscris pleinement dans ce qu'a été Jean-Paul Dufresne pendant 5 ans. Avec mon caractère, avec ma personnalité. Dans une sorte de continuité ici. Ah, totalement. Totalement, parce que je pense qu'un député, il doit avoir deux qualités essentielles. D'abord, il faut éviter l'écueil de dire l'autre n'est pas bien, c'est pour ça que je suis meilleur, parce que je pense que ça ne fonctionne pas. Il doit avoir deux qualités essentielles, un député. Avoir les pieds solidement ancrés sur son territoire. Bien connaître son territoire. Je redis, je l'ai déjà dit, je l'ai écrit, je pense que la façon dont on mène campagne en dit long sur ce que l'on sera comme élu demain. Et nous, c'est pourquoi nous avons fait une campagne de 3 mois en faisant le tour de l'ensemble des communes. C'est parce que nous, c'était fondamental que dans cette campagne, on n'en fasse pas qu'une élection nationale, mais qu'on reste aussi sur cette élection qui est aussi, et surtout, j'ai envie de dire, une élection locale qui est liée à un territoire. Donc première qualité, les pieds solidement ancrés dans son territoire, c'était le cas de Jean-Paul. Et c'est ce que je m'attache à faire, depuis un certain nombre d'années. Je n'ai pas autant d'expérience, mais en tout cas, c'est ce que je m'attache à faire. Et puis la deuxième chose, c'est être en capacité de porter de la voix à l'Assemblée nationale par rapport à la réalité de nos territoires. Pour moi, c'est ça, la fonction d'un député. Et la dernière chose, parce que je vois qu'il y a des signes de temps, c'est une capacité à travailler avec tous, quels que soient ses courants de pensée. Un député, c'est l'élu de toutes et de tous. Donc, je pense que ça, c'est une des qualités qui a été très importante chez mon suppléant. Et moi, c'est une qualité que je veux mettre en œuvre, travailler avec tout le monde, dans l'intérêt de notre territoire et de ses habitants. Merci à tous les deux pour ce moment d'échange en direct qui, je l'espère, aura éclairé nos auditrices et auditeurs. Rendez-vous ce dimanche en direct de Radio Bocage 96.5 FM de 19h à 23h pour connaître les résultats et le nom de celui qui siégera au Palais Bourbon pour représenter les Bourbonnaises et les Bourbonnais. Merci en tout cas Yannick Menet. Merci à vous. Merci Michel Barbarin. Merci et bonne soirée. Et merci à Sébastien, Christelle Delorme qui est de l'autre côté de la caméra. Merci à Maud Béthiaud qui est en régie. Et merci à Didier Boudonna, le président de la Ligue d'enseignement, qui est toujours là, derrière, en train de tenir les chronos. Nous avons respecté, en tout cas, merci messieurs, on a respecté les temps de parole de chacun. Et à très bientôt, en tout cas sur Radio Bocage, et à dimanche pour la suite, pour savoir qui a été qualifié. Bonne soirée à toutes et tous, en tout cas, à l'écoute de Radio Bocage.